C'est un appel qu'il faut lancer aux autorités pour qu'elles sachent véritablement que un journaliste ne peut saurait être en tout cas l'ennemi d'un pouvoir. Mais il joue son rôle et en jouant son rôle, il peut peut-être ne pas, il peut dire des choses qui ne vont pas plaire en tout cas au pouvoir. Mais c'est ça la profession. Les journalistes sont à féliciter pour en tout cas leur immense effort qu'ils fournissent au quotidien pour informer, sensibiliser et former en tout cas les citoyens. Donc effectivement le tableau n'est pas reluisant, le tableau de la presse, surtout au Mali. Comme vous l'avez même remarqué, nous avons en tout cas régressé de quelques points et par rapport au classement annuel. Cette année, on est à la 113e place sur 180. Oui, selon le dernier rapport, de Reporters sans frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a vraiment du regret au Mali. Et il a peut-être expliqué le contexte particulier du Mali, qui est marqué surtout par l'insécurité, en tout cas généralisée. Mais je crois que cela ne doit pas tellement expliquer cela, parce que je me dis honnêtement, quand tu regardes le rôle que les journalistes, que la presse joue de façon générale, pour l'avènement, d'abord pour l'avènement de la démocratie, pour l'ancrage même de la démocratie, et pour l'information, je crois que les journalistes méritent mieux que tout ça. Mais c'est dommage quand même que nous soyons encore à ce niveau, et surtout que le Mali était quand même cité en exemple, en tout cas dans le domaine en tout cas de préservation des droits des journalistes. Mais maintenant, le regret, franchement, il faudrait déplorer ça. Donc c'est un appel qu'il faut lancer aux autorités pour qu'elles sachent véritablement qu'un journaliste saurait être en tout cas l'ennemi d'un pouvoir. Mais il joue son rôle. Et en jouant son rôle, il peut peut-être il peut dire des choses qui ne vont pas plaire en tout cas au pouvoir. Mais c'est ça la profession. Quand on se bat pour en tout cas le professionnalisme, je crois qu'il y a des choses en tout cas qu'il faudrait éviter. Et je pense que la balle est dans leur camp pour que les autorités sachent véritablement le rôle éminemment important que jouent en tout cas les médias, en tout cas dans le pays. La liberté de la presse, comme je l'ai dit très souvent, c'est une quête permanente. Ce n'est jamais donné. Les journalistes se battent pour cela. Et on paye souvent le plus fort. Il y en a qui sont emprisonnés, torturés, enlevés et souvent même tués. Donc vraiment, aujourd'hui au Mali, on constate que il y a suffisamment de problèmes parce que ces derniers temps, on a connu au Mali beaucoup d'enlèvements extrajudiciaires et aussi voilà, des intimidations, des injures, des menaces donc contre, en tout cas, beaucoup de journalistes. Donc cette situation peut s'expliquer par le contexte actuel, un contexte d'insécurité généralisée et qui fait que le travail n'est pas du tout facile pour les journalistes. Mais cela ne doit pas nous décourager, nous avons opté pour cela, nous sommes des journalistes, donc nous nous battons, mais il faut reconnaître quand même que ces derniers temps, la situation évolue de façon très négative au Mali, comme je le disais. Les enlèvements, le dernier c'était... comment il s'appelle encore Alioune Touré. Non, après Alioune Touré, il y a eu... Idriss Martinez. Bon, mais on dit Dieu merci parce que les deux quand même ont été relâchés sans grand dommage. Je me réjouis aussi de la libération de notre confrère français, Olivier Dubois, qui après en tout cas des années de captivité a recouvré sa liberté. Donc moi je pense que de façon générale, la situation n'est pas aussi reluisante, mais c'est mi figue mi raisin. Donc, et moi, je l'attribue vraiment au contexte particulier du Sahel et du Mali.